même temps, je salue mes amis italiens. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ragazzi. De vous connaître, voilà, bon, j'ai pas fait les traductions. On va pour plus tard, parce que j'allais dire, si des fois Fred Virsigny voyait ce truc et qu'il avait toujours le son, je voulais juste lui dire que ce matin, on a commencé à faire de l'asiatique. On a déjeuné avec un Chinois. Et puis, on a appris quelques mots aussi en vietnamien. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Là, je m'en souviens plus. Moi non plus, j'ai oublié. On a commencé. Peut-être on va réviser. On va réviser pour le prochain coup. Mais on a commencé. Xin chào, voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, ben, tant pis, vous avez qu'à vous débrouiller. Et Fred, voilà. J'espère qu'on aura assez bien prononcé. J'espère, parce qu'on a travaillé. Xin chào mojo. Xin chào mojo, Fred. Ça serait du vietnamien. Il va nous confirmer avec l'accent, parce qu'on n'a pas les accents, tout ça. Mais... Voilà, donc, et puis... Là, on va retenter une petite sortie à Bandol Bendor, parce qu'hier, on a vu beaucoup de choses, mais on a été très déçus. Voilà. Donc, on ne veut pas finir là-dessus, on est des guerriers. On va essayer cette fois-ci de remettre les pendules à l'heure un peu. Voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, je vais prendre l'expression si chère à Fred Virsigny. Hier, j'ai fait du monsieur gros gland. Et alors vraiment du gros gland, je pense que je mérite la première place hier. Parce que écoutez, hier, Frédéric Virsigny, regarde. Ah bah tiens. Hé Fred, on recommence. Ouais, pour toi spécialement. Spécialement. Pour toi. Xin chào mojo. Fred. Voilà, Fred, oui, c'est vrai. Xin chào mojo, Fred. Donc, on espère que la prononciation est à peu près bonne. Ouais, il va nous dire. Tu pourras nous dire ça, parce qu'on ne va pas rester pendant des heures à ce que tu nous répondes ou quoi. Donc, on va se mettre à l'eau. Mais... Ouais. Celle-là, elle est belle. À la pêche. Et j'allais dire de prendre une vidéo. Demi-ton. Voilà, avec Thomas, le pote Thomas, bravo. Prêt à... Prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Bon. Ça, c'est une belle zone, c'est magnifique ici, c'est magnifique. Cheese. Donc, on espère faire du poiscaille. Hein. Ouais, je pense que oui, ça va le faire. On va essayer, on va voir ce qu'il y a. Ouais, on va voir ce qu'il y a. Un peu de houle, mais bon. C'est les bonnes conditions, ça. Ouais. Un peu de courant, ça peut... Ça peut être bon. C'est Thomas pour l'instant qui mène la danse avec deux jolis poissons. Petit, mais... Une petite bécune. Hein? Voilà, montre-nous un peu ça, là. Voilà, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est parfait comme ça. Voilà. Ouais. Le fameux phare. Voilà. Donc là, il y a un peu de roche, tout ça. Donc, un peu la même topographie qu'à Koh Samui. En même temps, on peut passer un petit coucou à notre cher Stéphane chinois. Stéphane chinois, le tueur de ça. Voilà. Là, dans les pierres, j'ai vu quelques ça retourner. Donc, j'en poursuis un ou deux. Et puis là, comme vous voyez, avec mon bras droit, je ferme le poing et je frappe puissamment la surface de l'eau. Et comme bien souvent, le sar s'est enragué, donc il faut agir rapidement si on veut essayer de le capturer. Mais bon, ce n'est pas parce qu'il est enragué qu'il sera facile à prendre. En fait, on ne le verra pas à l'écran, mais dès que je commence à tourner, là, par exemple, je vois le sar glisser sous la pierre. Et je pense qu'il a dû ressortir de l'autre côté, ou autrement s'enfuir entre d'autres pierres qui sont sous ce gros rocher.
Dans l'apnée qui a précédé celle-ci, j'ai vu un petit denti. Donc une poisson qui doit faire dans les 800 grammes, 1 kg, certes il est petit, mais bon. Je me dis que ça serait bien si je pouvais le piquer. Hein. Donc là j'ai fait un agachon et comme vous allez le voir, il va bien s'approcher. Mais pas assez suffisamment, là on le voit au loin, il se baisse, hein, il vient vers moi en rasant l'algue, il est positionné, et puis là, bon, vous voyez tourner, comme moi d'ailleurs. Et puis c'est terminé, hein. Sur les autres agachons, il ne reviendra pas. Un joli bec au fil où nous a tiré Thomas. T'as vu quelque chose un peu? Ouais, j'ai vu une belle dorade. Ouais. Et putain, une énorme verrade. Mais bon, une verrade. Ah ouais. Moi ouais, j'ai raté un loup là-bas, 2,5 kg à peu près. Ah ouais? Ouais, ouais. T'as tiré quelque chose? Non, non, j'ai rien attrapé. J'ai vu un bécune aussi. Une ficelle comme toi hier. Une ficelle? Ouais, putain, j'ai pas vu. Putain, j'ai vu la verrade était grosse, mais bon, une verrade quoi. Ah ouais, mais c'est le sort, hein. Ouais. Ah, c'est sympa, ouais. Ouais. Tu fais le tour et tu fais la bouée là? Ouais.
aujourd'hui c'est vraiment pas la journée. J'ai raté trois fois j'ai raté du coup. Normalement je devrais avoir trois loups à la ceinture. Thomas lui, il est là-bas, il a pété ses 200 go. Voilà, c'est le top. Là il y avait une belle droite qui avait dû être attaquée. Bon, pour la tirer, pas moyen non plus. Enfin bref, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc on est le mercredi 14 juin. C'est la troisième journée où je sors avec Thomas. Hein. Et puis hier, à ce même endroit précis, j'ai commencé à faire un agachot ici. Et puis sur ce même poste aujourd'hui, hier autant j'ai vu un loup, un joli loup d'un kilo, un kilo et demi qui était venu, j'ai raté à l'agachot. Puis là aujourd'hui, il m'est venu un petit limon. Bon, j'ai réussi à le tirer cette fois. Bon, il n'y a pas d'action, mais bon, vous verrez quand même le poisson tout de suite. Sur cette scène, j'ai prévenu Thomas que j'avais vu une belle lasagne se mettre à fond. Je lui explique plus ou moins la pierre sous laquelle je l'ai vu disparaître. Et puis j'ai dit, écoute, vas-y. Hein. Comme ça fait un peu des images un peu plus dynamiques, je trouve. Mais bon, malheureusement, Thomas ne cherche pas sous la bonne pierre. En fait, le poisson, je l'ai vu disparaître sous la pierre sur laquelle il vient de reposer la main. Du coup, en surface, je lui explique l'endroit où je l'ai vu précisément aller. Mais bon, après une seconde tentative, Thomas ne trouvera pas ce joli poisson. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait toujours un peu d'action. Au lieu de voir seulement le bout de mon fusil se diriger vers des poissons. Dans mon apnée précédente, je ne m'étais pas très bien préparé. Lorsque je casse pour aller au fond, je vois un très beau labre disparaître sous une pierre. Je suis remonté très lentement, sans mettre le moindre coup de palme, pour ne faire aucun courant qui pourrait faire déceler au poisson que je suis au-dessus de lui. Je remonte, je me ventile cette fois suffisamment, je descends un peu plus loin de l'endroit où j'ai vu disparaître le poisson, puis on le voit là en fait apparaître à la fenêtre de la pierre. Là. Donc je fais quelques bruits de gorge pour immobiliser le poisson, pour éviter qu'il ne rentre complètement sous la pierre, et je peux enfin déclencher un tir, et comme vous le verrez, je l'ai très bien tiré, je l'ai pratiquement tué net.
chaînette. What?